déplacer comme ça dans la ruche pendant l'hiver et se nourrir. Donc, ah oui. C'est en 2010 que la ville organise pour la première fois le marché artisanal de Hanu. Cette initiative, prise au départ par l'Ichevinat du tourisme et de Monique Dupont, collaboratrice, était destinée à soutenir les anciens métiers et d'assurer une animation au cœur de la ville. Ça, c'est la pierre bleue, la pierre c'est celle de Dorine. La Dorine, c'est le trou du chat, c'est... Dorine. Ouais, c'est une pierre que j'aime bien, elle a une chouette couleur. Petit à petit, cette manifestation rencontre son public et connaît un succès grandissant avec quelques 110 artisans sélectionnés afin de garantir l'authenticité de l'artisanat. Les organisateurs ont à cœur de proposer un large éventail de produits différents à la population. Cela va du bijou façonné manuellement à la poterie, en passant par la vannerie et autres objets réalisés à partir de matières naturelles respectueuses de l'environnement. Sans oublier, bien sûr, les produits de bouche artisanaux eux aussi. Au départ, c'était... L'équipe, j'étais chef de tourisme à l'époque, et Madame Monique était ma collaboratrice, et c'est elle qui a eu cette idée-là de partir dans l'artisanat, soutenir l'artisanat authentique en 2010. Et puis petit à petit, toute une série de personnes nous ont rejoints, comme Laurence. On a un atelier à la maison, donc c'est de la céramique avec des techniques particulières. Ce sont des techniques ancestrales de cuisson et de recouvrement, donc des techniques naturelles de l'époque. Quand je dis technique ancestrale, tous les noirs que l'on voit un peu métalliques, c'est la toute première technique de recouvrement au monde qu'on appelle la terra sigillata, la terre sigillée. C'est une technique que les Grecs et les Romains ont développée il y a plus de 3000 ans d'ici, notamment pour recouvrir nos amphores. Voilà, ce sont des techniques naturelles. Une tournante dans l'attribution des emplacements est assurée afin de garantir une large diversité d'un marché à l'autre. Les marchés fréquentés notamment par des néerlandophones accueillent aussi des associations à but humanitaire. La location modérée et le public présent sur le marché font que les artisans sont heureux. Et des artisans heureux font un organisateur heureux. J'aime vraiment bien le marché de Hanu parce qu'il y a une ambiance très sympathique, j'aime bien. Bon, ça joue aussi ça.